Allez, la toute dernière que je vous ai envoyée. Oui, je vous ai pas dit, hein. J'utilise mon beau micro rétro pour vous faire des cours. Donc le dernier, ça commence avec la gamme de Do. Pas trop compliqué, ok. Ok, ça faut vraiment connaître par cœur. Et sur la guitare et sur la partition, c'est vraiment le base de la base, la base de la base. Oh, le masculin, féminin, je m'y ferai jamais. Allez, ensuite, donc une petite mélodie à déchiffrer. Donc il n'y a pas de dièse, il n'y a pas de bémol. Je vais pas chercher à vous compliquer la vie. Donc du coup, je ne sais pas si vous avez travaillé dessus, regardez d'abord vous-même, après je vous donne. Donc là, c'est juste des noirs pour déchiffrer déjà la note. Donc j'y vais. Pas trop compliqué, mais c'est un peu monotone hein, comme rythmique. Et du coup, si on rajoute juste quelques noirs pointés et quelques croches, la musique prend vie en fait, hein, c'est ça. Et vous allez, je pense, se reconnaître. C'est une chanson assez connue. Je commence à fatiguer. Hein. Si vous n'avez pas encore reconnu. Et là, il y a encore quelques croches qui sont en l'air, et c'est ça qui donne un peu le truc qui swing, en fait. C'est pour ça que je vous fais travailler un peu les contretemps, des notes à contretemps. Voilà. Donc ça commence tout de suite, un noir pointé, et du coup, la croche après est en l'air. Donc je vais jouer la mélodie. 3, 4. Chanson de Bob Marley, Redemption Song, que j'ai monté d'une quinte, je crois, si je ne me trompe pas. Normalement, il commence sur le sol, mais ça, comme ça, vous restez dans la gamme de Do. Et voilà, c'est déjà super important d'être à l'aise là-dedans. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, ça vous a fait travailler un peu. On se verra très très bientôt. Ciao.